Après 10 ans d'obscurité, la lumière vient enfin de jaillir sur le Conseil camerounais en République du Bénin, CCRB. Fierté, retrouvailles et solidarité ont marqué cette soirée de gala initiée par le nouveau conseil, présidé par Victoire Sikedi Davison et du vice-président Paulin Kouetché. Une soirée pour commémorer l'investiture des dirigeants du CCRB. En toute chose, toujours remercier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Comme vous le savez, il est le maître du temps. La belle preuve, après une traversée désert, il a choisi cette date, le 16 juin 2023, pour me donner le bâton de pèlerin, pour conduire la destinée des Camerounais et Camerounaises au Bénin. Je lui serai éternellement reconnaissante, chères autorités béninoises. Devant cette communauté, je promets que nous, Camerounais, résidents dans votre pays, serons à la hauteur des espoirs et des attentes que vous avez à notre endroit. À vous, chères autorités camerounaises, merci, merci et encore merci de nous avoir fait confiance. La consul générale du Cameroun à Lagos s'est déplacée pour réitérer son soutien au peuple camerounais et remercier les autorités béninoises. Je vous présente le bureau exécutif de CCRB. Je tenais à vous remercier pour le soutien, tous les encadrements que vous les avez accordés pendant toute cette période. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je remercie tout le monde, tous les Camerounais, tout qu'ils ont apporté, tout leur soutien à ce moment. Et je vous laisse, puisque je ne suis pas là, je suis à Lagos. Donc je tiens et je compte sur vous pour l'encadrement et pour le suivi. Présent également à cette soirée de commémoration, le représentant du commissaire du 9e arrondissement de Cotonou n'a pas manqué de féliciter les Camerounais. Je voudrais dire que toute la communauté béninoise, à travers notre humble personnalité, prend acte de ce qui a été fait. Nous vous félicitons parce que ce n'est pas facile de construire l'unité dans la diversité. Madame le consul, nous allons rencontrer à nos autorités hiérarchiques et nous souhaitons que la paix soit belle. Plusieurs membres ont été honorés pour leur travail acharné au sein du Conseil. Ceci à travers des actes de nomination pour compléter les autres postes du Conseil. Après le défilé de mode, les interprétations, la coupure du gâteau, la danse show a été prise d'assaut par les Camerounais et les invités présents. Un départ rythmé par les hôtes de Victoire Sikedi et Paulin Kouetché jusqu'au petit matin.